Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de la maison moderne. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu avancé, même plutôt pas mal, et je me suis rendu compte que j'avais fait une boulette. Alors pas une grosse boulette, rassurez-vous. Je vais vous expliquer tout ça rapidement. Je vais juste vous dire qu'ici, on avait arrêté le mur. Donc vous pouvez continuer avec de la lumignite juste en face de la ligne ici. Attends, excusez-moi, je vais mettre un petit peu de son. Pas trop fort non plus, voilà. Et vous pouvez faire comme l'autre côté de la maison. C'est-à-dire continuer avec les dalles ici. Vous continuez tout le long. Alors ma boulette, j'ai bien fait de vouloir un petit peu m'avancer en mettant des repères. Pour non aussi pas me tromper. C'était que je trouvais la maison très petite. Parce que comme je vous ai dit, il y a une salle de cinéma. Et il y avait juste ça au deuxième étage, et je me disais, mais c'est vachement petit, la salle ne tiendra jamais. Et je me suis rendu compte, en retournant sur mon autre projet, ma maison, enfin la map où ma maison est terminée, que j'avais oublié de vous construire ce carré qui est au-dessus de l'eau. J'en suis désolé, hein, j'ai complètement oublié. Mais c'est pas grave, on va le faire tout de suite. Je vais vous expliquer à partir d'où vous allez le faire. Donc vous allez commencer. En prenant de la laine noire, quand on a mis notre luminite ici, ou si vous préférez, à deux blocs de la fenêtre, comptez un bloc, le deuxième bloc, vous partez en faisant une bande noire de 11 blocs. Donc vous partez d'en haut, donc entre votre dalle et le bloc du dessus, et vous faites 11 blocs. Quand vous êtes à 11 blocs, en comptant celui-là, vous allez revenir jusqu'au bout à 13, 12 blocs, excusez-moi. Et normalement, si vous n'êtes pas trompé, vous devez arriver à deux blocs d'espace entre le pilier de la terrasse de gauche et la partie de droite. Donc vous comptez 1, 2 et vous arrivez au troisième bloc. Quand vous avez ça, vous pouvez enlever tout ce qu'il y a dedans, là, les demi-dalles, ça ne sert plus à rien. Et vous pouvez continuer en faisant la même chose. Hop, moi j'ai enlevé ce panneau que j'avais mis pour pas me tromper dans les mesures. Donc on finit ça. Je m'en excuse vraiment, hein, mais je me suis vraiment dit il y a un problème là, parce que le cinéma tiendra jamais. Et oui, effectivement, il y avait un problème. Ici, pareil, on continue avec la neige. On mettra aujourd'hui, on va s'attaquer au deuxième étage un petit peu. On va pas le finir. On mettra aussi le plancher. Ça, je le ferai en ellipse. Hein, je vous montrerai où faut le mettre. Et je ferai ça en ellipse parce que sinon, ça va être vraiment pénible. Voilà. Donc ça, vous pouvez l'enlever. Ça sert à rien. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Hop. Voilà. Ici, comment on va s'arranger du coup? Je pense qu'on va faire ça. Hein. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Alors, ici, on a l'escalier. Ici, on a la terrasse. Ok, donc c'est tout bon. Alors, on va prendre du bois, ou des planches de chêne, qu'on va venir mettre à cet endroit-là, où il y aura la terrasse. Vous allez les mettre, commencer de les mettre à partir de deux blocs au-dessus. Donc vous pouvez prolonger un peu votre laine pour l'instant, vous ne vous occupez pas du reste, et vous les prolongez de deux blocs. Et à partir de ces deux blocs, vous pouvez mettre du bois tout à l'intérieur. Enfin, voilà. Donc vous voyez à peu près. Donc quand vous êtes arrivé au virage ici, vous prolongez de deux blocs et vous commencez à remplir tout le devant en bois de chêne. Vous faites exactement la même chose en dessous. Ici, vous comblez tout en bois de chêne. Mince, voilà. Jusque nulle part, parce que c'est tout l'intérieur qui est en bois de chêne. Il y a juste un petit souci. Ici, est-ce que je me serais pas trompé d'un niveau? 1, 2, 3. Si, je me suis trompé d'un niveau. Ne suivez pas ça, c'est faux. Donc, vous pouvez tout remplir votre intérieur de bois de chêne. Vous voyez, comme ça. Donc, toute la maison, en gros. Hein. Toute la maison, vous pouvez la remplir. Et ici, je vais vous faire remettre un petit bout de laine. Parce que j'ai fait mes fenêtres de 4 de haut et elles sont de 3. Je me suis trompé. Je me disais, pourquoi ça descend comme ça? C'est pas normal. Donc on va remettre de la laine. Décidément, aujourd'hui, je me suis rendu compte de plein de boulettes. J'en suis encore une fois désolé. C'est pour
ça que souvent je vérifie un petit peu quand j'ai fait la vidéo avec vous. Je revérifie, je recompte pour être sûr de ne pas m'être trompé. Ici, pareil. Comme la laine blanche et un bloc au-dessus, il faut bien compenser. Est-ce qu'on met... Non, on va pas en mettre ici. Puisque c'est le bois, je suis bête. Voilà. Donc, je comble toute la maison. Juste avant, on va faire ce mur ensemble. Allez, hop. Est-ce qu'on fait le mur? Ouais, on va le faire décaler. On va le décaler d'un bloc. J'avais mis du quartz. Donc vous montez ce mur jusqu'en haut, hein, voilà, jusqu'ici. Donc je vais faire tout ça en ellipse. Donc je récapitule, on va faire le plancher du dessus. Enfin juste la terrasse pour ici. Tout le plancher du rez-de-chaussée. Et ce mur ici. Que vous allez arrêter de monter. Pas que ça fasse trop moche. On va continuer à mettre de la laine noire ici. Voilà. Et vous allez arrêter de monter votre mur. Oh, je me trompe toujours de bloc. Voilà, ici. Bon, on va mettre aussi de la laine noire. Ce sera plus joli. Voilà. Voilà, c'est impeccable. Donc vous faites tout votre mur ici, derrière là, en blanc. Je fais le plancher ici et celui du rez-de-chaussée et on se retrouve tout de suite. Eh bien, re tout le monde, ça y est, j'ai donc fini de mettre mon plancher, comme vous pouvez le voir. Donc le dessus, je n'ai pas touché, tout simplement fini le petit trou ici. Et donc j'ai mis le plancher dans le rez-de-chaussée, excusez-moi. Et ici, j'ai décidé donc de laisser juste cette partie en blanc et de mettre celle-là en noir. Voilà, comme ça. Ça fait un petit peu plus joli. Pourquoi juste cette partie en blanc? Vous allez me dire, on peut aussi la mettre en noir. Mais il y aura la télévision ici à cet endroit. Et comme la télévision est déjà foncée en elle-même, on ne la voit plus du tout. Donc c'est pour ça que je décide de mettre ce mur en blanc. Comme c'est aussi le mur qui se voit le moins, vous voyez, on fait presque pas attention hein, qu'il est blanc. Donc voilà la simple raison. Une autre petite chose que j'ai à vous dire, dessous, je mets une couche de neige en plus. Parce que je trouve que ça fait bizarre de voir le plancher tout d'un coup comme ça. Et comme on a la place à cause de la bande noire, on peut rajouter une couche de neige. Donc ça, c'est à vous de le faire si vous voulez ou pas. Hein. Moi, je trouve que ça fait plus joli. Alors maintenant, on va s'attaquer à tous ces motifs sur le dessus. Alors, faut être extrêmement attentif parce que c'est assez compliqué. Mais moi, je me suis embrouillé plusieurs fois. Donc, quand vous avez votre plancher qui arrive ici, vous devez avoir juste un bloc en face. Vous n'avez rien ici. Hein. Maintenant, vous l'avez prolongé pour avoir votre plancher. Donc, vous allez en rajouter un autre. Revenir sur la gauche. Et repartir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, à 7 blocs, vous arrivez ici. Donc, dans cette ligne, vous devez avoir 7 blocs. Ça, vous ne l'avez pas normalement. De l'autre côté, vous faites exactement la même chose, mais vous arrêtez un bloc en dessous, c'est-à-dire à 6. C'est tout à fait normal que vous ne soyez pas en face. Ensuite, normalement, vous n'avez pas ça. Donc vous devez avoir ça sans les blocs noirs, bien sûr. Vous prenez de la laine noire et vous suivez à partir de l'intérieur jusqu'ici. Vous n'avez pas ça non plus. Vous avez un truc comme ça. Vous devez obtenir ça pour l'instant avec un bloc en plus de ce côté. Si vous obtenez ça pour l'instant, c'est tout bon. Ensuite, on reprend de la neige, et en comptant ce bloc-là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. Donc vous devez arriver ici. Voilà, vous devez avoir juste ça pour l'instant. De l'autre côté, on va, en comptant celui-là, toujours pareil, faire 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 blocs. Et normalement, 14 blocs, vous devez toucher le mur. Si c'est pas le cas, c'est que vous vous êtes trompé quelque part dans la dimension. Si c'est pas le cas, au pire, vous en rajoutez un 15e, ça changera pas grand chose. Ensuite, je remets le jour. Voilà. On va continuer de ce côté. À ce côté, je vais pas compter, hein, vous rejoignez tout simplement le bord du mur. Donc vous comptez 1, 2, 3,
4, 5, 6 blocs. Si ça passe 6 blocs, bah, comme d'habitude, vous vous êtes trompé. La laine noire, on va enlever celle-là du coup, parce qu'elle sert à rien, comme il y aura la salle de cinéma au-dessus. Voilà. Et vous allez suivre de la laine noire tout à l'intérieur. Donc un peu comme on fait depuis le départ, mais là, à l'intérieur du bloc blanc. Ce sera à la limite avec les murs. Alors sachez que dans le cinéma, forcément, comme c'est un cinéma, il n'y a pas de vitres. Il n'y a que des fenêtres qui sont sur la façade pour faire un peu de décoration, mais il n'y a aucune vitre. Donc voilà, on doit obtenir quelque chose comme ça. Est-ce que ça, on peut pas l'enlever aussi? Si, on va l'enlever aussi, ça nous sert à rien. On le remettra plus tard. Voilà, donc on obtient quelque chose comme ça. Là, vous pouvez mettre de la laine noire si vous le souhaitez. Par terre, comme ça. Moi, je trouve que ça casse un peu le truc. Ça sépare un peu les terrasses et moi, j'ai pas envie de ça. Donc, je laisse comme c'est. Maintenant, on va s'attaquer au mur. Donc, on va faire à peu près la même chose qu'en dessous. Pour cette terrasse ici, je sais pas trop si je la fais avancer ou pas. Donc, je vais aller jeter un coup d'œil comment j'avais fait sur la précédente maison et je reviens tout de suite. Et re tout le monde me revoilà, ça y est. Donc, j'ai regardé comment j'avais fait et non. J'ai fait un petit toit de 3 blocs, il me semble, mais on s'en intéressera pas aujourd'hui, donc c'est pas grave. Donc on va faire nos murs, donc vous pouvez le faire aussi de 3 de haut comme en dessous. Vous pouvez aussi faire les dimensions que vous voulez, je le reprécise bien. Ici on va se laisser juste une petite fenêtre, et on va en mettre une autre ici. On va faire tout ça en noir. Est-ce qu'on peut pas en mettre même... plutôt la décaler sinon. Ouais, donc on va mettre une ici. Voilà, vous faites un angle juste de un bloc et vous mettez deux de large. Et pareil en face. Deux. Hop. Pourquoi en face? Ah oui, parce qu'il y a un bloc en moins. D'accord. Donc vous remplissez tout ça. Pendant que je fais ça, je peux vous dire aussi que j'ai commencé une nouvelle construction moderne. Pas une maison, mais un hôtel. Donc je sais pas. Au début je faisais ça juste pour le fun. Ici, on va en mettre une, deux, trois. Au début, je faisais ça juste pour le fun, je disais. Et je trouve ça plutôt sympa. Il est presque fini. Donc, je sais pas, je vous montrerai peut-être la tête qu'il a dans une prochaine vidéo. Et puis, ce sera à vous de me dire si ça vous intéresse que je vous fasse un tuto dessus pour pouvoir le réaliser. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire rapidement. Ici, on va laisser une fenêtre de deux, pareil. Donc oui, les fenêtres, hein, je disais au début, vous pouvez les faire de la taille que vous voulez. Si vous voulez pas en mettre du tout, vous ne mettez pas. Si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. C'est à vous de choisir. Ici, il y aura quoi? Il y aura rien. Il y aura rien du tout. On va mettre les fenêtres comme si on savait pas qu'il y avait un cinéma et on avisera après. Parce que j'arrive pas trop à voir si j'aurai besoin de beaucoup d'espace ou pas. Donc on verra ça plus tard. Donc on continue le mur. Ici, est-ce qu'on peut pas faire une fenêtre? Ça fait peut-être un peu fermé. Non, on va laisser comme ça. Voilà, donc c'est ici, à partir d'ici normalement, que vous pouvez tout combler en laine noire. Et on va faire... je vais faire les fenêtres avec vous directement pour vous voir. Pour que vous voir. Ok, d'accord. Pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et là, je me suis fait plein de fails. Pour ceux qui voulaient le pack de texture, je l'ai mis dans la partie 1 de la vidéo, si vous ne l'avez pas vu. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil s'il vous intéresse. Moi je prends celui-là parce que les textures sont beaucoup plus nettes. Et donc c'est plus joli. Rien que déjà la neige elle est bien blanche et pas un peu bleue, comme sur le texture pack de départ du jeu. Donc voilà, donc alors ici, je disais, on va faire des fausses fenêtres. Donc je vais vous montrer, on fait pas les fenêtres aujourd'hui, hein. Je l'ai fait avec ce verre. Et donc c'est des fenêtres que j'ai faites tout simplement comme ça. Pour qu'il y ait un semblant de fenêtre, mais en fait elle n'existe pas. Vous voyez, donc vous aurez quelque chose comme ça sur la façade. Peut-être d'un peu moins gros ou d'un peu moins large, je sais pas. Mais comme il y a le cinéma, on peut pas mettre de fenêtres. Et si on n'en met pas, ça fait pas beau du tout. Donc je préfère en mettre des fausses. Donc je vais les enlever pour l'instant parce que c'est pas ça du tout.
Mais c'est juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble et comment je fais. Tant que j'y pense aussi qu'on a la laine noire, on va se mettre les piliers. Parce que vous voyez que ça c'est dans le vide et c'est pas très joli. Donc vous partez dans les coins comme ça et vous mettez des piliers en laine noire. Ici ça va tomber dans l'eau mais c'est pas grave. Je trouve ça joli. Donc bon courage pour faire ça aussi si vous êtes en survival. Voilà, donc on obtient quelque chose comme ça. Et là, je reconnais ma maison. Je vous dis, quand j'ai vu que il manquait quelque chose ici, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai oublié? Et je me suis rendu compte que j'avais oublié la pièce du cinéma. Ici, le cinéma ira jusque-là. Donc à partir de là, on va pouvoir faire une petite lucarne, par exemple. Enfin, une petite lucarne, une toute petite fenêtre, je dis. Et on va pouvoir en mettre une autre ici, 2-3. Voilà, c'est impeccable. Donc maintenant, on va reprendre avec de la laine noire. Et comme pour le rez-de-chaussée, on va passer tout au-dessus pour faire, bah, pour tout simplement fermer, hein, avoir le dessus des fenêtres. Ici, on rajoute aussi un étage. Oui, ça fait vraiment très très foncé. C'est pour ça que tous les meubles aussi sont assez clairs. Enfin, j'ai essayé de faire le plus clair possible. Parce que de l'extérieur, ça a une belle gueule, franchement, la maison. Mais de l'intérieur, ça fait très foncé. Donc voilà, donc on continue. Ouais, c'est ça. Et on va pouvoir faire autre chose, je pense. Avant de se quitter, on va encore faire un petit truc. Voilà, donc on obtient quelque chose comme ça, donc comme le rez-de-chaussée. Et la maison s'agrandit encore un peu. Là, ça fait bizarre pour la fenêtre du coup. Ici, on va en mettre qu'une. Allez, soyons fous. Soyons fous. Alors ici, on va reprendre de la neige et on va combler tout ça. Normalement, on devait avoir un trou. Vous comblez tout en neige. Tout ici en neige. Tout ici en neige. Et il pleut. Voilà. Vous comblez absolument tout en neige. Donc ce trou ici et tout ça. Ici normalement il n'y a pas de souci, c'est tout complet. Et là, pareil, vous allez vous allez combler tout cet espace en neige. Tout simplement parce qu'il y aura le plateau au-dessus que vous voyez qui est sur le devant de la maison, qui traverse la maison avec la piscine dessus. Et donc on va mettre ça en neige, voilà. Donc je comble tous les trous en neige, donc tout cet espace, celui-ci et celui-ci, et je reviens tout de suite. Eh bien, re tout le monde, ça y est, j'ai donc comblé mes espaces que je vous ai montrés juste avant en neige. Donc ça fait très très blanc, je vous confirme. L'avantage, c'est qu'on a déjà notre toit comme ça, vous voyez, hein. Même si ici on aura du bois, ne vous inquiétez pas, on va mettre autre chose en hauteur ici. Je pense aussi du bois. Pour pas que ça fasse trop bizarre ici, ou remettre une couche de neige en moins, je sais pas encore. On va mettre, ouais, donc on va remettre une couche de neige. Donc ça, on le fera la prochaine fois parce qu'on va s'arrêter. Parce que ça fait déjà, je pense, plus de 10 minutes que je fais une vidéo là. Que je fais la vidéo, mon timing en principe c'est 10 minutes parce que j'aime pas trop trop quand ça met 10 plombes à upload sur YouTube. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc ici c'est très très blanc, comme je vous ai dit, il y aura le gros plateau qui passera au-dessus, donc ça cachera un petit peu. Et ici il y aura quelques décorations. Voilà les amis, donc je vous laisse sur notre maison, à l'avancement de la maison. Je m'excuse encore une fois pour l'oubli du montage du cinéma qui était ici. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine.